J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de la faire courte. On est à quelques jours après donc ce nouveau cycle lunaire. Donc peut-être que vous avez déjà commencé à regarder la vidéo sur le fil avec le conte raconté de cette deuxième mère originelle, donc qui est la gardienne de la sagesse. Pour ma part, j'ai commencé à préparer un petit espace. Cet espace peut être préparé dès la nouvelle lune, mais si jamais vous manquez de fournitures, de matériel, vous pouvez voilà, le faire 2, 3, 4 jours après. C'est vraiment comme le cœur vous en dit. De créer un espace à l'extérieur de soi, c'est symboliser l'espace à l'intérieur de soi que l'on est en train de créer. Donc j'ai préparé pour vous cette petite vidéo avec le petit autel où j'ai choisi une bougie de couleur grise pour pouvoir me connecter plus facilement, à cette seconde mère originelle, puisque le gris est sa couleur. Donc on n'en a pas parlé encore, mais vous l'avez peut-être déjà appris avec la lecture ou l'écoute du conte. Donc le gris est la couleur qui protège l'enseignement de la gardienne de la sagesse. Donc je l'ai mis sur l'autel. J'ai également mis le symbole de la tortue, qui est l'animal, l'emblème en fait, emblématique de l'enseignement des 13 mères originelles. La tradition fait remarquer, enfin la tradition dit que la carapace de la tortue contient 13 facettes et donc contient les 13 enseignements des 13 mères originelles, voilà. Et donc cette tortue est l'emblème, l'animal de protection, l'animal qui va garder précieusement donc ses enseignements pour pouvoir leur faire traverser les âges. Voilà, donc cet animal est très important pour moi. J'ai symbolisé également la lune, puisqu'on est sur un enseignement, une initiation donc avec la lune, la présence de la lune qui est très forte. Je me suis autorisée de mettre du fil gris. On peut mettre ce qu'on veut sur ce petit autel, on peut mettre des plumes, on peut mettre des roches, on peut mettre des encens, voilà. Moi j'ai choisi le fil gris pour pouvoir me projeter plus facilement dans le tissage du bijou que je vais réaliser bientôt. J'ai déjà quelques idées. Mais c'est un peu tôt, je veux me laisser le temps encore de laisser mûrir tout ça, de laisser venir à moi encore différentes choses et ensuite seulement de statuer sur ce qui est vraiment pour moi cohérent en termes de création par rapport à l'enseignement que j'aurais reçu, que j'aurais assimilé en moi. Voilà, donc en tout cas, le bijou sera en gris pour respecter donc les codes couleurs de Notre-Dame. Les pierres, je ne sais pas encore. Voilà, tout ça va cheminer encore. Je me laisse encore un petit peu de temps. Sur mon autel, j'ai pris soin de placer une géode quartz blanc, donc cristal de roche, parce que c'est une pierre qui est neutre, c'est une pierre qui équilibre, qui purifie, qui renforce, qui énergise, qui protège, bref. C'est la pierre à tout faire, c'est vraiment l'une de mes pierres favorites. Et puis je l'utilise beaucoup celle-ci pour nettoyer, pour purifier et renforcer l'énergie des bijoux que j'ai créés. Voilà, donc je la place sur mon petit autel, mon petit espace. Voilà, et puis de temps en temps, je peux rallumer ma bougie. La bougie n'est pas obligatoirement allumée. Là, je l'ai allumée pour pouvoir me poser un petit peu, prendre le livre. Hop. Voilà, donc ça me permet de, quand je me place, quand je me pose et que je commence à lire, ça me permet de rentrer un peu plus en connexion avec cette gardienne. Et puis c'est très apaisant d'avoir un peu d'encens, d'avoir une bougie. Voilà, rien de plus à ajouter, c'était vraiment une courte vidéo. Sinon, le bijou est en maturation dans mon esprit, donc je vous en ferai part d'ici quelques temps. Et je vous prépare une vidéo pour dans la semaine avec le matériel à avoir pour pouvoir tisser en macramé. Notamment, il vous faut une planche comme celle-ci.
avec différentes petites pinces, mais je vais vous lister tout le matériel qu'il vous faut pour commencer en macramé, débuter en macramé. Il est évident que le bijou que je suis en train de réfléchir en relation avec cette deuxième mère originelle, je le veux à la fois en cohérence avec l'enseignement de cette gardienne, mais je le veux le plus simple possible, parce que il y en a peut-être parmi vous qui n'ont jamais touché du macramé et qui auront peur de se lancer dans un travail qui va prendre des heures. Donc ça, c'est mon job, de vous trouver un modèle de création facile à réaliser. C'est pour ça que je me laisse vraiment du temps pour le coup. Et dans quelques jours, donc une vidéo avec le matériel que vous aurez besoin et un tutoriel qui va vous montrer comment vous allez pouvoir personnaliser votre planche. Ça va être un petit travail, une petite activité que vous allez pouvoir vous offrir. Je vous montrerai des modèles. Moi, j'ai l'habitude de personnaliser mes planches souvent avec la fleur de vie ou avec un pentagramme ou avec différents symboles en fonction de ce que je veux faire comme travaux. Et voilà, pour entrer dans la créativité connectée, pour entrer dans le tissage en conscience, eh bien, on va préparer soigneusement sa planche à tisser, la décorer, la customiser, voilà, comme bon vous semble. Mais je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Sur ce, je crois que j'ai tout dit, je regarde. Bon, par rapport à mes petites notes, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, je vous referai une vidéo très vite. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à prendre l'air, à vous balader dans la nature. C'est ça que je voulais vous dire aussi, pour pouvoir vous connecter à cet deuxième enseignement, à cet enseignement de sagesse. N'hésitez pas à vous balader dans la nature, à aller en forêt. Alors, peut-être que vous serez attiré par l'eau, peut-être que vous serez attiré par la terre, donc avec la forêt ou je ne sais trop quoi. Laissez votre instinct vous guider et essayez, si vous pouvez, quand vous vous levez le matin, de poser des intentions. Ce matin, aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller à la rencontre de cette deuxième mère originelle, de la gardienne de la sagesse. Et soyez juste dans l'accueil, dans l'ouverture, ça peut être d'autres intentions, là c'est un exemple, mais poser des intentions le matin au réveil, c'est magique. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment vivement de l'essayer, parce que vous allez voir que quand on pose une intention, on reçoit toujours quelque chose, et c'est toujours formidable. Voilà, donc c'était la dernière petite chose. Je ne traîne pas plus. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à